Bonjour Caroline. Bah écoute, bonjour Jean-Luc, merci de m'accueillir sur ta chaîne Wallcrypt. Ben écoute, je t'en prie. Et puis, ben écoute, d'abord et avant tout, je te remercie pour les lots que tu vas faire gagner, j'irai donc pour la grande loterie de fin d'année Wallcrypt. Donc, ben ce que je te propose d'abord et avant tout, c'est de te présenter qui tu es, donc Caroline Hervé. Je crois que tu es donc CEO de Alpha Web 3. Et ce que je propose, c'est que tu te présentes et ensuite on présentera ton entreprise et ensuite on parlera des lots que tu fais gagner. Voilà, mais écoute, je te laisse la parole afin de te présenter. Bah merci, bah écoute, pour les lots, c'est gagnant-gagnant hein, pour tout le monde et pour les gagnants surtout. Exactement. Pouvoir profiter d'innovations, de façons d'interagir avec nos super technologies du Web3. Donc moi, à la base, je suis docteur en traitement de l'information et ingénieur en sciences physiques généralistes. Donc j'ai travaillé pendant à peu près 10 ans pour un grand groupe en R&D logiciel. Et après, je suis devenue entrepreneur en 2018 parce que la créativité est le sens en fait de répondre à un besoin réel en fait du terrain m'a appelée. Et dans ma boîte en fait, c'était une grosse boîte, donc on n'avait pas forcément de contact avec le client et ça demandait de changer de service et voilà. Vraiment le profil entrepreneur me correspondait plus et j'ai bien évolué dans ce domaine. Donc, j'ai fondé une première start-up qui était au CES de Las Vegas pardon, en 2020 et 2022, parce qu'on a eu un peu le Covid au milieu, malheureusement. Donc, j'avais levé des fonds et on avait été retenu par la région Sud pour ce projet qui était une application pour trouver en temps réel des activités autour de nous qui nous correspondent. Donc, suite au Covid, bah, malheureusement, on n'a pas pu lancer ce projet parce que les investisseurs sont partis. Et ce n'était pas vraiment le moment de sortir dehors, hein, comme vous le savez tous. Et du coup, bah, j'ai bifurqué dans tout ce qui est Web3, parce que la blockchain me passionnait en tant qu'ingénieur logiciel. Et j'ai vu qu'elle pouvait être utile à différents domaines, dont la finance, les artistes, etc. Et je me suis beaucoup intéressée à ça pendant 2 ans. J'ai créé ma première collection de NFT en démonstration. Et grâce à cette collection, j'ai obtenu un contrat avec l'artiste 6ix9ine. Une collection de NFT qu'on a lancée en mai 2022 à Miami et qui malheureusement a bien décollé mais s'est écrasée avec Ethereum, comme vous le savez tous. Les cryptos, c'est des hauts et des bas, mais beaucoup d'apprentissage. Ensuite, j'ai beaucoup été appelée en conseil sur les collections de NFT, sur les tokens et sur tout ce qui concerne l'intégration Web3, que ce soit métaverse, NFT ou crypto. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'offre une partie. De mes services pour la loterie, donc 5 heures de 5 fois 1 heure de conseil. Et j'ai aussi créé quelque chose de nouveau qui est plutôt, on va dire, dans le Web 4. Et c'est là que du coup ça se complique, mais en fait c'est très simple. C'est que en fait on met du Web 3 et de l'Internet dans des objets. Donc là vous avez un Bitcoin par exemple, et un bracelet Bitcoin ou une bague Bitcoin. Et en fait, grâce à ces objets, vous allez pouvoir interagir avec votre téléphone et donner une carte de visite, donner un NFT, afficher un NFT, rentrer dans un métavers. Voilà. Et ça, c'est une idée que j'ai eue il y a 6 mois et qui est vraiment en phase de réalisation, de levée de fonds. D'ailleurs, je cherche des investisseurs. Je suis en train d'écrire un très gros business plan. J'ai aussi un showroom qui va s'ouvrir proche du Cap d'Antibes. Donc, au niveau du 06 dans le sud de la France. Et du coup, j'ai voulu partager un petit peu ça avec la loterie Wallcrypt sur l'aspect bah, faire gagner des lots. Du coup, autant faire gagner des bijoux bah, qui représentent la blockchain. Après, j'en ai d'autres sortes. J'ai des cartes bleues pour ceux qui ne sont pas encore passés au Bitcoin, mais je vous conseille d'y passer. Et voilà, je peux vous montrer encore d'autres petits trucs. Par exemple, un petit maillot de foot, Ah, alors il y a l'image qui n'est pas terrible. On va voilà, petit maillot de recline un basket. petit peu. Ah voilà, là c'est mieux. D'accord. Donc en fait concrètement la personne approche son téléphone, c'est ça, de Voilà, la l'objet. personne approche son téléphone. J'espère que j'en ai un qui est encodé, parce que j'en ai reçu des nouveaux, donc ils ne sont pas encore tous. Voilà, la personne active son NFC. Mon ongle doit fonctionner parce que j'ai aussi un ongle connecté.
Ah, d'accord. Très Ça bien. ouvre une page internet. D'accord. Ah, t'as Et du même coup, les ongles connectés. C'est génial, ça. D'accord. Et on ensuite, essaie directement, de. ça va sur ton site internet. Voilà, en fait, ça va sur une carte de visite virtuelle. Donc, c'est un système que j'ai réalisé ou qui permet d'enregistrer directement en fait le contact sur le téléphone, donc via une petite VCF pour les Android. Ça marche sur iPhone et Android et on peut aussi y mettre comme un petit blog tous les partenaires et tous les services qu'on peut représenter en tant qu'entrepreneur. Et les personnes qui vont Donc, le gagner des système, lots vont c'est. pouvoir utiliser, les personnes qui vont gagner les lots vont pouvoir utiliser cette technologie, en fait. Voilà, en fait, il y a des lots pour les abonnements à la carte de visite et il y a des lots pour les bijoux. Donc, ceux qui D'accord. ont gagné les abonnements, ils peuvent soit se créer une carte eux-mêmes, soit compléter par un bijou et inversement. Ou ceux qui auront la chance de gagner les deux, bah, pourront connecter les deux ensemble. D'accord. Bon, en tout cas, tu leur expliqueras exactement comment Comment faire? procéder, hein, et Voilà, donc c'est Web4 parce qu'on peut bah, finalement. Via un objet, interagir, que ce soit avec la blockchain ou le métavers. Parce qu'on peut aussi bah, faire une entrée dans son métavers via la connexion. D'accord. Par contre, j'adore le coup des ongles. Ça me plaît. C'est très, c'est vraiment voilà le Très tiens, allez, vas-y, scanne ma carte de visite. intégré. Et en général, en fait, que ce soit avec le bijou ou avec les ongles, on a en fait une innovation aussi dans la com parce que les personnes. Bah, commence à trouver ça créatif et finalement s'ouvre un petit peu, s'interroge sur la personne qu'ils ont en face d'eux et se disent, ah bah tiens, ils ont une façon de voir les choses qui est différente. Et c'est très très bien pour les gens qui ont des marques ou qui sont dans l'innovation pour pouvoir bah, ouvrir leurs clients, leurs investisseurs, ouvrir au sens les D'accord. attirer, leur donner envie de travailler avec eux. Ben écoute, je te remercie en tout cas pour ta participation à la loterie. Et puis, je pense que ça va faire un grand succès parce que c'est très, très original. C'est très concret, en tout cas. Ça, c'est très, très bien aussi parce que ça montre effectivement qu'avec le monde du Web3, de l'intelligence artificielle, on peut vraiment, on est dans le, là, on est dans la vie de tous les jours. La personne peut se promener avec sa carte de visite via un bijou. Hein, et c'est quand même, je dirais, très, très intéressant. Voilà. Bon, bah, écoute, je te remercie encore, Caroline, donc, pour ce lot. Et puis, bah, je souhaite bonne chance aux personnes qui gagneront et puis qui pourront directement te contacter pour bah, la mise en application. Voilà. Je te remercie. Merci, Caroline. Au Et à revoir. très bientôt dans les événements Walk It. Merci. À bientôt.